Nous arrivons en bord de mer ou à la lisière d'une forêt, peu importe. Ce qui compte, c'est la frontière, la limite. Encore quelques pas et nous quittons ce que nous connaissons et qui nous rassure. Cela n'a rien d'une flânerie tranquille, pleine de la joie de découvrir ce qui constituait jusque-là l'ailleurs et l'autre. C'est bien davantage une déchirure. Dans cette zone intermédiaire, nous pourrons voir le grand bâtiment blanc d'où partent des cris inconnus. Se mettre en marche permet de revivre cette expérience et de se familiariser avec cette langue de terre où plus rien n'est pareil. Tout au long du chemin, le choc initial se transforme en quelque chose de plus vivant et de plus beau. Sous mes yeux, le grand bâtiment blanc déjà se démembre, percé de toutes parts de lumière. Et ce ne sont plus des cris qui résonnent, ce sont des chants.